Salut, salut à tous, ici Léo. Bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui, je suis là une fois de plus avec une petite application qui va vous montrer comment transformer vos photos en carton juste en quelques clics. Alors, l'application en question, la voilà. Vous avez plusieurs différents modèles. Avant de commencer, cliquez sur le lien dans la description de la vidéo pour télécharger l'application. Une fois cliqué sur le lien, vous serez dirigé à ce site Tonmi Carton Yourself. Quand vous cliquez, vous patientez. Ok, vous voyez là, le téléchargement. Cliquez OK et le téléchargement va démarrer. Vous pouvez voir là sans télécharge. Puisque je l'ai déjà, je vais arrêter. Après avoir installé, il faut donc ouvrir l'application, le voilà. Voilà l'application. Bon, vous voyez, donnez. Vous cliquez dessus. On clique et là, c'est ouvert. Bon, là, vous avez différents filtres là. Ici, vous pouvez avoir les GIFs photo animés avec les animations. Moi, je vais plutôt choisir celui d'à côté, celui-ci, car ce design me plaît plus. Ok, je clique dessus. Bon, je serai amené à sélectionner une image dans ma galerie. Je vais choisir cette photo. Je clique dessus. Alors je clique sur la flèche en vert juste en dessous. Et là, on n'aurait qu'à patienter. Le traitement s'effectue. Voir traitement 1 sur 5. Vous avez jusqu'à patienter quelques instants pour que votre image soit transformée en carton. Alors voilà le résultat final. C'est pas mal quoi, vous voyez. Alors, ici, vous cliquez sur l'icône verte. Ici. Alors, si vous voulez transformer en animé, vous cliquez là. Si vous voulez ajouter des animations, c'est là en bas. Vous voyez différents filtres. Bon, c'est juste ici en bas que ça se fait. Bon, moi, je ne veux pas ça. Donc, j'annule. Pour sauvegarder. Sauvegarder votre image, c'est là dans les trois points à l'angle droit. Cliquez là et enregistrez sur l'appareil. Alors, votre application sera en bas là. Vous venez sur télécharger. Vous sauvegardez dans votre mémoire. Ou pour partager directement sur Facebook, Snapchat ou tous vos réseaux sociaux. Vous voyez, c'est tellement facile, juste en deux clics, je suis arrivé à ce résultat. Vous avez aussi différents modes. Vous avez différents modes. Tonmi, celui-ci. Vous avez aussi le mode pro qui vous permet juste de rendre une partie du corps. Comme vous pouvez le voir dans les exemples, vous pouvez juste rendre une partie de votre corps en carton. Je vais vous montrer quelques exemples ici dans ma galerie. Regardez par exemple ici. Voilà un autre exemple. Voici aussi un autre exemple. Et voilà.
J'espère que cette application vous sera très utile pour modifier vos photos et ajouter différents filtres. Merci d'aimer la vidéo. Laissez un pouce bleu, commentez, partagez avec vos amis. Merci, à la prochaine pour une suivante astuce.